N'ap salue tout moun nan ki branche ankon yon fwa pou yo suiv yon lot edisyon Kamera Mozaik sou MCTV Boston. Se avek plezir nou pral gen avek nou, nou deja gen avek nou an direk de peyi d'Haïti. Ben, Dr. Nancy Charles Larko, menm lò moun ap viv an diaspora al etranje, ebyen debou di nou sa, ebyen yo li direktman avec situation moun ki soufri de diabète nan peyi d'Haïti yo lié non sa a Fadimac. N'ap di docteur Larko, bienvenue nan Kamera Mozaik et merci le fait que ou accepté invitation nou. Eh ben m'ap di nou bonsoir tout et puis merci pour invitation, pour intérêt diaspora pour sa k'ap fèt bon akay. Nous connaissons Dr. Larko le 14 novembre qui pral vin là, c'est journée mondiale diabète. Et bien à travers le monde, et bien son jour qui marqué par un pile activité. Et bien côté moun réfléchi, moun présenté bilan de travail, et bien sous question gestion condition diabète dans pile pays. Avant nous parler de célébration, nous connaissons année 2020 et ça fait 33 ans depuis que Fadimac en général créé dans le pays d'Haïti. Est-ce que brièvement vous êtes capable de présenter nous et Fadimac? Oh certainement. Bon, en forme dit que Fadimac a commencé par l'association haïtienne de diabète en l'année 1987 et là c'est un groupe avec Dr. René Charles Papam et un groupe de Lions Club qui était dérapé. Côté que nous avons des cliniques et médicales au niveau de Saint-François-de-Sales et au niveau de Cité-Soleil. Côté que, et groupe ça devait vraiment porter un traitement particulier et tout du moins un traitement adéquat à la population démunie qui vit dans la zone sale. Alors, et très rapidement, les patients ont été augmentés et nous venons depuis 1973, nous vîmes Fadimac, Fondation Haïtienne Diabète et Maladie Cardiovasculaire parce que 40% diabétiques aussi hypertendus. Et c'est même mode de vie que a conseillé Mounio, même façon pour manger, même façon pour le gérer tête, d'autant plus que toutes c'est des maladies chroniques. Et qui sa maladie chronique n'en veut dire, c'est que depuis que vous gagnez, jusqu'à ce que vous mouriez ou gagnez, donc faut qu'on vive avec pour gérer pour ne pas avoir complications. Donc nous-mêmes les cliniques n'ont pas suffi, donc c'est ça qui fait que au niveau de l'ALU, côté que nous venons établir après au 208 l'ALU, côté nous y est d'ailleurs jusqu'à présent, nous venons établir un système d'éducation côté que patient c'est pas venir au docteur seulement, mais c'est recevoir information pour qu'on qui j'ai pour gérer tête. Donc yo inviter famille autour parce que souvent ça qu'on crée une discussion dans famille comme si mon qui éduqué versus mon qui pas comme ça pour faire et puis finalement, c'est toujours une discussion. Donc, vous pensez que pour diminuer le stress, ça, il est extrêmement important que par famille participer à l'éducation. Ça. Donc, c'est ainsi que chaque jour, selon juin, nous avons un sujet différent qui débat au niveau de Fadimac. Et là, formation, ça a toujours très fréquenté. En plus de ça, Fadimac a plusieurs autres activités dans l'actif. Côté que en plus de clinique médicale diabète, nous venons agrandir la clinique médicale hypertension artérielle. Nous venons ajouter maladie rénale chronique puisque deux maladies, ça, diabète avec hypertension, c'est eux-mêmes qui gagnent pile au fardeau au niveau de dialyse. Donc, il est extrêmement important pour que prévention, en fait, et nous connaissons la population haïtienne dans lui-même, il n'y a pas grand-pile facilité. Donc, il est important de faire prévention parce qu'il n'y a pas qu'à payer dialyse tant qu'il n'y a pas extrêmement cher. En plus de tout ça, nous faisons des examens pour assurer que les diabètes et les maladies cardiovasculaires ne pas entraîner des complications et au niveau des yeux, au niveau des pieds, au niveau des reins. Donc là, ça fait nous gagner l'autre clinique, tant pour clinique qui évalue les yeux, nous fait électrocardiogramme, nous fait commencer un petit programme d'échocardiographie, nous aussi gagnons clinique des pieds pour que nous assurions que le patient lui-même est capable et fait prévention puisque sous 100 pieds, il y a 80 qui coupent, donc prévention est extrêmement importante. En plus de ça, Fadimac fait formation personnelle médicale, côté que nous avons chaque année des cours pour les infirmières, pour les médecins, nous avons un curriculum que nous suivons.
que nous proposer au monde médical. Et aussi, nous avons, et ça, un programme que nous avons à travers Haïti qui, pour jeunes diabétiques, donc jeunes type 1, côté que nous avons plus de 300 jeunes, côté que nous avons un programme international, côté nos baillots, insuline avec matériel gratis, ceci permet que jeunes populations, ça, survivent, puisque sans insuline, ils vont mourir. Donc, et nous, ouais, gens, c'est des petits mouns qui vraiment gagnent un esprit très combatif et qui gagnent avenir et espoir pour, enfin, qui gagnent espoir pour avenir, yo. Donc, ça fait un peu de plaisir que quand même nous arrivions à chiffre ça, puisque avant, depuis un jeune était diagnostiqué diabète, eh ben, famille était menée au caïboko ou bien au bayou, on va nous remettre, et le ça, jeune ça, nous perdu. Donc, actuellement, et, ça, c'est une activité que Fadimak a gagné, côté que même nous voulons chercher jeunes, ça nous perdu que nous parlons et tourner la clinique. Nous toujours en compagnie de Dr. et Charles Larcourt, eh bien, qui est directrice exécutive de Fadimak dans le pays d'Haïti. L'ENAPDI Fadimak, c'est Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires. Une institution qui existait depuis 87, mais qui était commencée avec un autre nom. Et Dr. Lacoste parlait de services directs à patients pour gestion et conditions diabète. Ou parlait tout de formation que au bail, institution en bail à personnel médical avec paramédical. Est-ce que service SAIO n'a pas parlé de seulement pour région métropolitaine de Port-au-Prince ou bien aller au-delà pour nous trouver et pour nous retrouver les villes de province? Alors, comme je crois, statistique, c'est vrai que Fadimak nous établit dans 208 la Lue au niveau de en face où il y a chrétien depuis tout le temps ça. Mais nous avons quand même un rayonnement national. Premièrement, nous avons un protocole d'accord avec le ministère de la Santé publique côté nous travaillons avec eux sur le domaine diabète avec maladie cardiovasculaire. Et aussi, nous gagnons une reconnaissance de ministère, non, sous formation que nous-mêmes nous offrons depuis plus d'une dizaine d'années au personnel médical. Quand il y a formation, ça lui-même l'y fait, mais il y a une préparation qui fait avant, côté que nous nous informer des mois à l'avance qui leur coule à pas le faire. D'habitude, il est toujours fait au mois d'avril. Et bon, avec situation COVID, nous venons sauter année ça, mais régulièrement chaque année, nous toujours formés 250 et 300 jeunes médecins des facultés de médecine, mais aussi nous avons des médecins qui viennent à travers le pays. Comme je trouve que Fadima gagne des centres affiliés, puisque avec limitation possibilité, nous pas capables de tous côtés, bien que c'est un rêve que nous bien que c'est un rêve que nous caressé. Mais nous avons des CAUL, des centres affiliés. À travers le pays, nous avons différents centres. Côté médecin qui l'a eu, joué une formation, médecin avec infirmière, joué une formation de Fadima. Donc, comme tu as capacité, hôpital Sacré-Cœur Milo, et nous avons aussi au niveau, nous travaillons avec l'hôpital de Mirbalais, nous avons un centre de jeunes au niveau de Saint-Marc, Rebecca Mackinson, nous avons aussi un centre au niveau des CAI, qui que nous travaillons avec les Hope for Haiti, qui ont des jeunes diabétiques et que nous faisons formation pour eux. Fadima lui-même, tout les déplacé, nous faisons formation Pistel, Okai, Jacques Mel, Hench, et bien Ballet, au Cap Haïtien. Donc c'est pour dire que nous, même si local, nous fixons, mais équipe non mobile et nous capables d'arriver si ma information ça. Parce que il est temps que quand même pour type de maladie, ça, ou diabète, hypertension, que quand même, et une grande population qui souffre de l'IA en Haïti, 7% pour le diabète pour mon gain plus que 20 ans et 40% pour l'hypertension artérielle. Donc c'est pour me dire quand même c'est des maladies que vous trouvez assez couramment. Donc, il est extrêmement important que nous sommes capables de dispenser l'éducation et au niveau du personnel médical et au niveau de la population. Au niveau de santé, nous tournons dans la statistique, nous avons des gens sur tous les côtés dans le pays pour venir prendre non seulement formation, mais pour affilier à nous-mêmes. Et Dr. Larcourt, vous avez parlé de activité.
eh bien, que dans l'occasion Journée mondiale diabète, il y a des organisations, il y a des citoyens qui aident des institutions, eh bien, dans le cadre de déplacement pour nous capables de faire et en dehors de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Oui, il faut me dire que quand même, il y a des assurances, des brokers qui aident nous, parce que ouais, que la prévention est extrêmement importante. Il y a des agences de produits pharmaceutiques, tout. Donc, ça va nous permettre que nous-mêmes, nous capables mobiliser l'équipe, nous, pour que nous capables de déplacer. Donc, c'est ainsi que, dans certaines, par exemple, la Gonave, moi, vous voyez des agents de facilitation, des jeunes diabétiques qui formaient pour eux-mêmes y aller sur place pour aider faire des dépistages. Et aussi travailleurs sociaux nous, et nous-mêmes tous, nous allons faire formation. Donc, c'est pour nous dire que nous essayons le plus que possible, bien que moi, nous limiter, mais le plus que possible pour nous étendre éducation et formation diabète. Donc, éducation, nous adresser la patient et les familles, et formation, nous adresser la équipe médicale, parce que c'est tous deux qui sont importants, surtout pour des maladies qui apprennent sous monde et que faut équipe qui avec là aider éviter complications. Donc là, c'est ça nous capable de faire, mais c'est vrai que le travail dans le monde et il a nécessité beaucoup plus d'activités en province pour que le monde est de plus en plus sensibilisé pour le problème diabète. Et docteur Larco, et à travers le monde, c'est entre 450 à 463, 465 millions de monde qui touchés par diabète. Et un monde sur 11 et dans le monde, eh bien, souffrit de conditions ça. Et en Haïti, quelle situation? Combien de monde à peu près qui vivent à condition de diabète là? Ok, en Haïti, c'est un monde sur 9. Que avec une étude Fadimac assemblée avec EMUS côté que nous-mêmes nous essayons et nous te mettre information nous ensemble. Donc c'est pour me dire que et donc ça veut dire que nous à peu près si on doit chiffrer à peu près 7% de la population et beaucoup plus c'est des femmes. Donc et nous gagnons et à peu près 400 000 diabétiques en Haïti pour supérieur à 20 ans, supérieur à l'âge de 20 ans. Et là, de plus en plus, on a retrouvé diabète type 1 qui est jeune, qui malheureusement par la portée et systématiquement, donc tout le monde malheureusement est mort. Donc on est dans un pays avec croyance, on ne peut pas vraiment chercher qu'on est de qui ça a mouru. Donc, et pour jeune, chiffre-là, un petit peu sous-estimé. Mais là, on voit qu'à peu près 90% du monde qui fait sucre, c'est des grands moules. Et c'est seulement 10% qui représentait le groupe jeune. Mais au sort mentionné diabète type 1. Donc pour monde qui a regardé l'émission ça qui pas maton et dans question ça, donc on a deux types de diabète type 1 à type 2. Est-ce qu'on a brièvement expliquer différence qui gagne une par rapport à l'autre? Oui, diabète type 1 surtout affecte jeunes. Donc en général avant l'âge de 30 ans, ou un jeune qui a maigri, qui pas bien et qui ouais que la a perdu l'énergie et souvent lorsqu'il présente des vomissements, un baissement de coma et jeune n'attendant, ils sont vraiment perdus. Jeune, ça, du fait que symptômes sont assez bruyants. Donc, c'est on teste, depuis que tu as dit que le jeune n'a plus bien en pile, eh bien, c'est faire un test sucre pour connaître si il n'est pas fait sucre. Et en général, il est causé par ce qu'on pour tout le monde. Il y a un gland de yore, les pancréas, et gland, ça a job, c'est produit insuline, qui c'est, on garde tout comme on a, pour permettre que le sucre que mon a gagné dans ça, entre dans ma mini, dans la cellule, pour permettre mon a fonctionner. Donc, quand j'aime ça, je vois que gland pancréas, là, attaqué, soit en infection, ou bien en allergie quelconque, ou bien soit en microbe, ou bien en virus, donc, qui souvent, c'est un petit peu flou, jusqu'à présent. Donc, le ça, c'est comme si jeune homme lui-même, les corps jeunes hommes, il produit des bagailles. Au lieu que le protéger, pancréas et jeune homme, il vient à l'attaquer, il vient à pancréas. Donc, nous, quand on prend deux glandes, ça, qui est supposé par insuline, il n'est pas produit insuline avant. Donc, quand jeune homme, on carence d'insuline, et c'est ça qui fait que le traitement jeune homme, résumé par administrer insuline à jeune homme. Malheureusement, l'insuline vient en liquide, n'est pas en comprimé. Donc, l'insuline est obligée d'injecter. Ce n'est pas parce que le diabète est plus grave,
mais c'est parce que c'est traitement qui est approprié pour type 1 pour jeunes. Qu'on y a un autre type de diabète que le diabète type 2, souvent qui paraît être grand monde à partir de l'âge de 40 ans. Mais différence c'est que le grand monde, en général, est plus gros. En général, il y a des facteurs de risque hérédités en jouer là-dedans, ce qu'on pas jeune, jeune. Mais le grand monde qui s'arrive, c'est que c'est soit par rapport à la grosseur, ou bien parce que l'insuline n'a pas marché bien, ou bien à cause de grosseur, il n'y a pas d'insuline. Mais quand même, une petite quantité d'insuline que le gain permettait et fait un peu de sucre entrer dans la cellule. Donc, le sucre a monté, il prend le temps pour le monter. Donc, c'est vrai que il y a des fois, nous avons plusieurs années que le diabétique, s'il n'a pas fait test, s'il n'a pas connaît. Et, quand il y a un type de diabète, ça, je recommande maintenant, par type vraiment façon de le manger pour exercice physique, mais aussi comprimé, capable d'aider la glande pancréasse à sécréter un petit peu plus d'insuline. Ou bien que les cap permettent que l'insuline agisse mieux. Donc c'est ça la différence là et c'est pour ça type 1 lui-même le plus souvent c'est insuline que vous recevez alors que type 2 lui-même en plus de perte de poids, l'exercice que vous commandez en pile, et ben lui-même il est capable de balle des comprimés qui permettent fonctionnement insuline ou bien que glande pancréasse travaille mieux. Donc c'est ça qui est vraiment différent. Il y a une papille grave que l'autre, et il faut que nous clair là-dessus. Souvent, parce que nous avons pris l'insuline, nous disons, ah, c'est diabète grave là. Non. Grand monde, quand on vient développer diabète type 1 en tout, puisque il y a ça, le diabète type 1 là, côté que c'est le même phénomène là que glande pancréas grand monde là, pas arrivé sécréter assez, et pas quitter sécréter l'insuline du tout, et le ça, du fait que grain n'a pas marché vraiment, donc il est obligé de mettre mon nom sur l'insuline. Bon, on aurait été un petit peu sous situation jeune yo et dans le pays d'Haïti, particulièrement et diabète type 1. Hein? Et au niveau de l'éducation, travail que Fadima a fait, bon, l'extrêmement important, mais est-ce que par exemple, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, pas un moyen, t'as qu'à dire, peut-être intégrer, eh bien, genre de travail, ça, dans le curriculum, éducation sous affaire la santé? Dans le ministère de l'Éducation nationale, par exemple. Bon, malheureusement, même Fadima, nous essayons un petit peu de répondre à la demande de la population. Nous-mêmes fait des formations dans l'école. Côté que grâce à certains, comme nous avons pu faire grâce à des bailleurs, dans l'Irons Club, c'est aidé de faire travailler ça. Côté que nous sommes allés au niveau de différentes écoles, différents lycées. Côté donc lycée et de lycée Pétionville, de gain lycée de Pétionville et côté que nous t'es allé au niveau de classe terminale pour nous expliquer une façon qui est bon pour manger et qui sont capables de faire prévention diabète avec et hypertension et là nous t'es surpris pour voir que Jean Genieux même nous t'es vraiment intéressé qu'on est là on lycée souvent il a fait et des ordres etc. Mais tout est vraiment Richita à côté pour dire mes amis si parents d'aller papa me fait sucre maman me fait attention et puis au bas jambe fait ça et a dit là donc c'est vrai que éducation pardon extrêmement important et là dans une année tout pour nous t'as fait qu'un jeune diabétique puisque chaque année nous t'es confronté au camp mais faut au besoin corps donc nous t'es allé dans des écoles un petit peu plus privilégiées côté nous t'es fait formation pour jeunes et puis même jeunes a dit mais maman ma papa me t'a supposé suivre pour ça parce que ça va bon manger dans boîte mais c'est pas ça nous même n'a dit qui bon pour la santé ouais. Donc il y a un travail important extrêmement et large qui peut être fait au niveau du pays hein, pour éduquer la population parce que prévention dans un pays côté que même traitement pas disponible mais prévention c'est un numéro. Donc, définitivement, c'est une approche que peut-être nous pas capable de faire, mais nous pas capable de faire tout le bagage. Au point, c'est vrai que nous avons un protocole d'accord avec le ministère de la Santé publique, nous avons des échanges, mais qui peut-être pas mener un fruit assez satisfaisant puisque chaque monde a des activités et là, il faut avoir mettre des priorités et aussi financer ce genre de programme, ça, pour que vous capable d'arriver à bon point. Nous pas qu'un bon pile docteur Lacour mais nous connaît et on a plein préparation
pour célébration avec en pile activité, surtout éducation, dépistage, dans l'occasion journée mondiale et diabète là. Et brièvement, qui ça ou gagné dans le programme ou qui déjà planifié? Alors, nous toujours commencé toute activité journée mondiale diabète avec une conférence de presse. Parce que faut journalistes, yo même qui dans radio, dans télévision, et presse écrite, là, faut eux même informer tout. Donc, nous toujours faire une conférence de presse avec des informations pour eux capables bien éduquer et bien imbuer ça. Dans même conférence de presse, ça, étant donné que l'année, ça, thème que Fédération internationale diabète, Kembe, c'est le rôle de l'infirmière dans la prise en charge du patient diabétique. Donc, nous t'ai trouvé que c'était tout à fait justifiable pour que nous-mêmes nous t'ai invité, Association des nationales des infirmières licenciées d'Haïti, ANIL, viennent participer à la conférence avec nous et aussi décorer deux infirmières qui vraiment fait preuve dans le support formation patient diabétique. En plus de la conférence après ça, qui pourra le faire le mardi 10 novembre 2020, donc à partir de 10h, nous-mêmes le 12 novembre, donc le jeudi 12 novembre et le jeudi 19 novembre, Fadimac pour le faire une journée porte ouverte pour faire des dépistages gratis pour tout le monde qui a venu. Et on a peut-être surpris qu'il y a des gens qui chaque année sont venus parce que dans la famille, ils connaissent des gens qui sont venus, mais chaque année, ils ont fait déplacement ça. Avec COVID, nous pas de faire un seul jour pour que tout le monde pas de l'une sur l'autre. Donc, c'est ça qui fait que, au niveau de l'espace que Fadima gagne, sur le côté local principal, il y a 208 la lutte. Donc, nous pouvons gagner des dépistages. Et, nous avons plus fait des dépistages. C'est les jeunes diabétiques qui sont avec nous, donc qui sont toujours dans toute activité. Ça. Donc, là, nous avons ouvert de 9h du matin à 1h de l'après-midi pour quel que soit le monde qui a voulu faire des tests. Mais en plus, les gens qui connaissent que vous faites sucre, eh bien, nous facilitons à un prix beaucoup, à la moitié du prix. Pour que mon yo fait dépistage au niveau de yeux et au niveau de pieds. Parce que sur la moyenne partie ça yo, il faut nous faire prévention et donc, pour éviter que mon avis n'ait problème. En plus de tout ça, nous gagnons aussi et gagnons une équipe dans Titanien, une clinique médicale communautaire qui est dirigée par le docteur Marlène et Loris Adrien qui lui-même est invité nous viennent faire dépistage pour eux et aussi parler avec patients diabétiques qui ont gagné dans le centre et éventuellement faire certains dépistages de yeux et pieds. En plus de tout ça, donc ça c'est le 13 et novembre, le 14 novembre, nous avons une équipe de dépistage qui pourra le faire au niveau de la Gonave et côté que grâce à certains matériels que nous recevons et nous pourrons être capables de faire dépistage à eux. Donc, ça, c'est le 14 et le 15, nous avons un groupe d'infirmières que nous allons former au niveau de la Gonave pour permettre à la population bénéficier de connaissances là pour que, et gérer mieux le diabète. Et, au fait, tout le reste mois de novembre, nous avons des entreprises qui demandent de nous venir faire des dépistages pour employer eux parce qu'ils connaissent que, et diabète là, le monde n'a pas gagné, il n'a pas gagné, et l'autre fois, après, il gagne des fois, c'est avec des complications qui sont irréversibles, donc pied coup de poing devant. Donc là, il y a plusieurs entreprises localement qui m'ont donné une ville et des gens dans ce sens.